Bonjour tout le monde, on se retrouve cet après-midi. Vous avez vu que j'avais posté une vidéo avant celle-là. Moi je l'ai faite ce midi, mais j'avais pas pu la télécharger avant. Je vous l'ai mis juste avant. Et là, on se retrouve pour faire. Vous vous souvenez que j'avais fait cette petite carte-là avec la pochette. Bon, pour un temps, j'ai toujours pas trouvé ce que j'allais faire avec. Et comme j'ai un anniversaire bientôt, on va refaire la même chose, mais en vintage. Donc, j'ai pris dans le bloc 33 vintage d'action. L'intérieur, ça va être comme ça. Et j'ai coupé la petite pochette. Voilà. Le petit papier, faire la pochette. On va venir coller comme ceci, comme là. Avant ça, je vais arrondir les coins de mon morceau. Alors, je vous donne par contre les dimensions si vous voulez là. Je vais faire, elle fait 21, je ne trompe pas, 21. Vous la pliez en deux. Sur 10 et pour faire la pochette vous faites 5 sur 5 sur pareil 10. Donc là j'arrondis déjà les 4 coins de la carte. Donc il y a une carte et comme j'ai fait une pochette, il y aura une ATC. Il semblait que je l'avais coupé. Voilà, j'ai fait les 4 coins de la carte. Ah oui, là. Et j'ai découpé aussi pour faire l'ATC 8,9 sur 6,4. Là, pareil, là j'ai envie de changer, j'ai envie de faire que le haut. Non, que le bas, pardon. Voilà, donc je vais vous baisser, comme ça vous allez voir ce que je fais. Hop là! Voilà, je dis on va coller la pochette, l'encart pour faire la pochette, et on va le coller comme ça. Moi je le fais un petit peu plus petit, espérons que ça rentre. Oui, c'est bon. Vous pouvez la faire la même longueur que votre moitié carte ou pas. On va mettre de la colle par contre juste au bord sur trois côtés. Pour ça là ma colle, hop. Voilà, on va essayer de pas trop en mettre. Si je peux aller droit, ce serait mieux. Hein? Voilà. Et le troisième côté. Voilà. Voilà. Et je vais la coller. Comme ceci. Donc, on met la colle un peu trop. Attends. Oups. On ne se trouve pas là. Alors.
Voilà, j'ai mis trop d'un côté, mais pas grave. On va essuyer et coller. Voilà. Donc je mets dedans. Hop. Ouais, ça fait juste. Faut voir ce que ça fait quand on met la carte à tisser. En fait, il faudrait peut-être 10 et demi. Ce serait peut-être mieux. Ça rentre dedans, mais si vous mettez quelque chose qui dépasse, vous voyez, on pourra, une fois, on pourra 10 et demi. Donc, je laisse sécher là. Donc, hein, et on va s'occuper de la TC. Je mettrai le tampon après, c'est pas grave. Alors, pour ça, j'ai sorti ce tissu-là. Enfin, c'est pas un tissu. C'est de la... Alors, le nom, je sais plus. Enfin, c'est de matière-là. Toile de jute, peut-être. J'avais trouvé ça à Noz. J'ai sorti ça aussi. C'est un mètre ruban. Qui vient aussi de Noz. Ruban tissu adhésif. Avec le mètre de couture. Ensuite, j'ai sorti. Cette feuille-là du bloc. Moi, je vais me servir. Parce qu'il y aura une carte. Aussi. En fait, ça c'est la pochette à tisser. Et la carte, on la fera. Ben, vous la verrez pas parce que c'est pour offrir. Nous, on va juste faire la tisser et la pochette. Et j'ai sorti aussi ma boîte de découpe et de tamponnage. Alors, je vous la montre. Hein. Vous voyez. Hop. Alors, j'ai pas fait les découpes. En fait, tout ça, c'est depuis que je fais les vidéos, les copines qui m'ont envoyé tout ça dans les échanges. Après, on m'en a fait cadeau sans faire d'échange spécialement. Donc, je vais sortir ce qui m'intéresse et on verra après. Alors, là, c'est des rouages. Non, et ça sera bref. Ça c'est Noël. Ça c'est que des tamponnages. Si. En fait, moi j'essaie de les ranger au début. Ouais, je refasse un tri. Tout ce qui est Noël avec Noël. Tout ce qui est papillon, enfin animaux. Avec animaux, cinéma, cinéma. Vous voyez, j'ai tout mis fleurs, fleurs. On aura après. Par exemple, là, vous voyez, c'est tout ce qui est cinéma. Alors, moi, je cherche pour mettre sur du vintage. Je cherche des mots. Je ne suis pas sûre d'avoir des mots. Enfin, j'en avais un moment. Je n'arrivais pas à remettre la main dessus. J'avais eu des mots. Après, ils sont un peu grands. Donc là, c'est pas bon. Hop. Là, c'est tout ce qui est nature. Noir et blanc. Là, c'est tout ce qui est bébé. Je n'avais pas fait un truc vintage parce que à l'époque j'en faisais pas. Là, j'ai des papillons. Et là, voilà, j'ai trouvé mes mots. Donc, on va prendre ceux-là. Alors, je mets la boîte de côté. Alors, pour la TC, déjà, je voulais mettre ceci, un morceau comme ça. Si je mets un mot par contre,
Il faut que je trouve le mot pour voir la place qui va me rester. Parce que c'est assez large. J'ai peur que si je colle un mot dessus, ben ça colle pas. Donc on va voir déjà ce que j'ai en mots. J'en ai pas énorme. Hein. Alors, hop. Donc, alors, j'ai Hunk. Qu'est-ce que c'est? J'ai souvenir spécial live spécial shine love rire ouais, love c'est rire instant ah, j'ai instant magique normalement ça va avec un autre mot et là bon, ils se mettent à l'envers. Spécial. Instant. Suite. Hein? J'ai suite. J'ai déjà utilisé celui-là. Unique. Shine. Bon, je vais mettre spécial. Suite. Voilà. Je vais ramasser les autres parce que c'est fragile les mots. Hop. Après, pour l'instant, ou alors attendez, spécial suite unique, non. Alors, pour l'instant, on ne peut pas le faire, mais si vous savez pas, vous avez des mots, par exemple, que vous avez des découpes de mots, ben, je serai intéressé. Mettez un petit commentaire sous la vidéo et après, on verra en MP. Pour voir ce que vous voulez en échange. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais je vous en parle maintenant. Vous verrez après ce que vous pouvez faire. Quand on pourra le faire. C'est pas gagné, c'est tout. Ouais. Voilà. Alors, j'ai rangé mes mots. Je les remets dans la boîte. Donc, on a ceci. Suite. Ouais, donc si je mets ça, il faudra mieux que je le mette comme ça et ça va être trop large. Ouais, je vais enlever le pic. On va voir un petit peu comment il y a moyen de faire. Ah oui, si je mets ça, ça prend déjà tout à cap. Et là, ça risque de dépasser. Hop. Et si je coupe en deux, le problème, c'est que celui-là, il est attaché en haut et en bas avec du fil. Donc ça risque de gêner. Alors. Spécial suite, mais si je fais coller là-dessus, ça va pas coller. Suite, et là, oui, c'est trop. Ou alors, je couperai juste le bas. Oui, il y a moyen. Alors, par contre, pour couper, je vais prendre les bons ciseaux et je vais brancher mon pistolet en même temps. Qu'est-ce que je voulais? Les ciseaux. Hop là. Donc, je regarde la largeur. Hop, on va couper
à peu près là. Vous voyez, ça communique. Si j'avais fait avec les autres, ben, c'est même pas la peine, ça coupait pas. Par contre, les petits bouts là, je vais les enlever. Pas joli. Hop. Voilà. Voilà, maintenant, on va attendre que ça colle. Ce que je vais faire déjà, je vais coller mes suites là. Ça, je vais prendre la colle en bâton. Hop. Alors, le souci, c'est que c'est noir et le noir a tendance à oups, pas déchirer. Quand on met de la colle, et ben ça fait des taches. Hop. Donc ça colle trop au doigt. Alors on va essayer de le mettre au plus haut. Oh, si. Ah, je crois que j'ai mis la colle à l'envers pour ça. Hop, on enlève. Et on colle le bon côté. Ça sera mieux. Alors. Oui, ça. En fait, j'avais collé la. Mais la colle du mauvais côté. Voilà. Hop, j'essaye d'enlever. Il y en a autant sur les doigts que sur. Hop. Voilà. Donc j'appuie pas trop parce que sinon la colle elle risque de. Le papier risque. Je sais pas. Hein. Il risque de coller au papier. Voilà. Ça colle bien. Voilà. Et on va coller le sweat. Voilà. Cette fois-ci, je ne me trompe pas de côté. Voilà. Voilà. Et on colle le sweat. Un petit peu le décaler. Voilà. Où ça colle plus sur les doigts et sur le papier. Hein, travers. Ah, ça colle sur les doigts. Ouais, on va dans sa tête, trop appuyé, sinon ça colle plus sur les doigts. On voit ce que ça donne déjà. Spécial sweat. Ensuite on va un autre morceau là que j'ai coupé qui est là. On va si le pistolet ça ira. Donc j'ai coupé un peu plus droit, très mieux. Voilà. Hop, ça colle bien. Voilà. Et là, tiens, le pli. Voilà. Donc j'ai dit, je vais le. On va, ça va aller. Je couperai juste qu'il y passe. Alors, on va mettre la colle. Pas besoin d'en mettre partout. Voilà, comme si on mettait de la colle comme ça. Voilà. Et je colle.
Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais couper ce qui dépasse. Voilà. Ah. On va remettre un petit peu. Là, ça n'a pas bien collé. Ça a du mal à coller, je crois. Waouh. Ça, par contre, ça colle sur une voie. Oups. Chaud. Hop. Je nettoie mes sous. Donc voilà, ça donne. Je vais en remettre en haut. Ouais, je suis pas sûre que ça colle. Hein. On va couler. Ouais. Voilà, cette fois-ci ça devrait coller. On voit que ça donne pour longtemps. On espère que ça tienne. Hop. Après, bien sûr, on ne va pas lisser comme ça dessus. Je vais reprendre comme dans l'autre vidéo je vais la remettre à main dessus. Ouais. Si j'arrive à remettre la main dessus, ce sera bien. Ça y est. Après. Voilà. Alors, on a en soi son trou grand. Qu'est-ce qu'on a là? On a celui-ci qui pourrait être pas mal. Ou alors un cœur. Voilà. Le cœur sera mieux. Ou alors on a celui-ci. Petit oiseau. J'aime bien les oiseaux. On va coller celui-là. Bon, alors, par contre, pour coller celui-là, wow. On va essayer de pas de cramer les doigts. Voilà, c'est même c'est que ah oui, je me crame. Voilà. Bon, il y aura plein de pieds que j'enlèverai après. Ah, voilà, en espérant que ça colle, ça aussi. On appuie là bien parce que. Enfin, ils sont trop appuyés. Faut éviter de casser en miettes. Moi, je fais ça. Si ça tombe pas, c'est que c'est cool. Donc, voilà. C'est spécial. J'ai envie juste tout. Après, j'enlèverai tout à colle. Des fils et tout ça. Voilà. Et ensuite,
Je vais regarder si on peut mettre là quelque chose. Il faudrait un petit. Quelque chose qui aille avec. Ça va être trop con. Ultimeux. Là on a des fleurs. Pof. Un peu con. Alors, je vais regarder. J'ai une boîte. Alors, j'ai une boîte quelque part où il y a plein de. Comme ça, mais tout petit. Alors, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Ce matin. Donc, j'arrive à remettre la main dessus. Là j'en ai. C'est bon, je l'ai trouvé. Alors, faire la face. Donc j'ai une petite boîte comme ça aussi. Ça c'est pareil, c'est les copines qui m'avaient envoyé. Donc, mon ami Sweet, on va mettre un petit bonbon. Voilà. Et tu vois, pareil, il va falloir le coller à la côte chaude. Ouh la vache. Ça fait mal. En fait, je me suis cramé les doigts. Il est tombé sur mon pantalon. Il y a de la colle. Je vais pouvoir le mettre à laver. J'en ai plein les doigts. Et ça brûle. Bon. On va remettre dessus, ça sera mieux. Voilà. Hop. Et on va coller le bonbon. Ah, je ne l'ai pas montré. C'est un petit bonbon en bois. Donc voilà que ça donne. Hop, on la colle partout. Donc voilà. Et on va rajouter un petit strass. Alors dans les marrons, j'aurais pas, mais ainsi comme ça. En beige, on va mettre un petit cœur. Voilà, on peut mettre un peu de colle. Parce que les strass, vous savez, la moitié du temps, ils collent pas. Hop. Alors, faut que j'arrive à le coller. Ouais, je suis cramé le doigt. Là, ça me brûle. Enfin, je mets de la crème. Voilà. Vache, ça brûle ce truc, non? Ouf. Après, j'enlèverai tous les petits trucs de colle. Oh, reste là, toi. On va laisser bien coller tout seul. Donc, voilà ce que ça donne. Petite une ATC vintage. Je l'ai fait pour une raison bien spécifique. Je dis, j'ai un anniversaire au mois d'avril. En espérant qu'avec le confinement, je puisse l'envoyer. Ce serait dommage. Donc voilà, petite ATC, vous voyez, que je vais mettre dans ma pochette. Je mettrai le tampon après. Alors, en espérant que ça rentre dedans. Ouais, il faudra vraiment faire 10 et demi. Donc voilà, bah, ça rentre dedans, mais c'est un peu juste. Et il ne restera plus que la
déco de la carte. Donc pour ça, je vais le mettre comme ceci. Et j'aurais bien aimé trouver une image vintage. Voilà. Alors, je sais pas si c'est ça. J'ai quelque part. Attendez. Là. Hop. Voilà. Bon, après, il faut pas que ça soit trop fin. Il faut que ça aille dedans, déjà. J'aurais bien mis type danseuse, mais je sais pas si elle va. Ouais, c'est juste. C'est bon, on va mettre celle-là. Hop. Voilà, on va mettre celle-ci en fait. Petite danseuse comme ça. Il faut que je la fasse pour mettre Happy Birthday. Donc je vais tout la mettre là. Et je mettrai Happy Birthday là au pied. Donc pour la décaler. Donc pour ça d'abord, il faut que je colle un papier quand j'ai pas envie de coller direct comme ça. Je vais coller de la dentelle. Alors, logiquement, j'en ai là, dans ma boîte. Je trouve la couleur, par contre, que ça aille avec. Alors. Ou alors, on met du blanc. Bon, je ne sais pas si j'ai du beige. Non, je crois pas. J'ai pas envie de mettre du blanc. Je crois que j'ai que du blanc. Alors. Alors, voyons voir. Il me faut un apron beige, une blanc café. Et là, pour l'instant, je n'ai que... J'ai pas la couleur qu'il faut. Ah voilà, j'ai trouvé. Merci aux copines hein, qui m'ont envoyé des tas de découpes. Il y a des napperons couleur marron là. Donc je vais prendre un petit voilà, c'est juste histoire de ne pas mettre directement sur la carte. Donc je vais le mettre comme ceci et la petite danseuse. On est là si je mets le Happy Birthday, ben je m'arrangerai, je mettrai une étiquette. Donc ça serait bien. On va pas trop le voir. Ou alors, à droite, la danseuse. Hop. On la met comme ça. Et celui-là, on va la mettre là. J'aurais aimé la mettre droit. Mais sinon, il y a les doigts qui dépassent. Je peux pas couper les doigts ni les pieds. Donc voilà, on est fait, dessinez votre carte, ce sera beaucoup mieux. Donc on va coller comme ça. Donc par contre, je vais débrancher le pistolet pour l'instant, parce que sinon ça va coller partout. Alors, on m'a dit qu'on collait celui-là. Donc, celui-là, je vais coller normal.
Voilà, hop, on colle. Voilà, il y a des trous, c'est un peu galère. Voilà. Donc, je le colle là. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va coller la denteuse. Voilà. Donc, je vous dis, on est obligé de la poncer. Ça fait comme si elle s'envolait. Voilà, ça par contre, c'est épais, c'est un peu plastifié. À coller, c'est un peu galère. Donc, la colle qui dépasse. Voilà. Bien appuyé. Donc bref, ça donne, vous voyez, en fait, quand je vais la plier, ça va pas le faire. Enfin, je remets un peu de colle. Voilà. Donc j'essuie. Ça fait un peu comme une bosse. Bon, les pieds ne collent pas. On va remettre tout de suite la colle. Mais ça ne va pas être très aigu. Hein. Je vais être sûr que ça va coller. Voilà. En fait, comme il y a d'épaisseur avec l'ATC, je vais l'enlever. Hop. Et tant que ça colle bien. Et je mettrai du poids dessus. Voilà. Et ensuite, il faut mettre la chose. Donc ça aille aussi avec. J'ai peut-être un mot. Big smile. Oui, un peu gros. Il est trop gros. J'ai pas de mots en bois en fait. J'ai que celui-là. Qu'est-ce que je prends? Bon, une chouette, ça va le faire. Une feuille non plus. Une tulipe. Oups. C'est un peu gros ça. Il en fallait un petit mot, mais en bois. Mais il n'y est pas. Qu'est-ce que je prends? Un hibou non plus, ça va pas le faire. T'as pas le thème fleur, hein? Peut-être ça. Voilà. Attendez, j'ai ces trois là. Une voiture. C'est celui-là. Alors, j'ai un. Bon, je vais te dire. On va mettre à ça un nom. Je sais plus comment que ça s'appelle. On va voir si ça va. J'en mets un ici. Donc, le happy birthday, il faut que je garde la place.
Happy. Happy, bon, je vais être en décalé. Non. On va juste mettre un. Donc celui-là, tant qu'il est chaud, je vais mettre. Je vais pas me cramer cette fois-ci. Hop. C'est mon portable, n'inquiétez pas. Il est à charger. Voilà. Nous espérons que c'est droit. Voilà. Donc voilà. Et là, il me restera plus qu'à mettre Happy Birthday. On va laisser ça tout bien sécher et je remettrai l'ATC dedans. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un petit peu long, non? Il y a une carte et une ATC. Je suis contente d'avoir réussi à faire les deux dans la même vidéo. Donc voilà, une carte et une ATC. Une pochette ATC. Ce sera pas la vraie carte. Comme je dis, la vraie carte anniversaire, vous ne la verrez pas ou après, ça y va. Mais j'ai envie de la faire avec carte postale Paris comme ça. Je sais pas trop encore comment je vais la faire, mais peut-être mettre aussi la découpe là. Il y a une espèce de timbre Paris. Et on verra. J'ai pas encore peaufiné l'idée de la carte. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, restez chez vous. Bye bye.